Du coup, 4 points à utiliser en compétence. Il me donne cette fameuse capacité. Ah, amélioration de la maîtrise de la lance. Bah, c'est parfait. C'est ce que j'utilise. Et j'étais parti sur le rouge. C'est quoi ça? Pas d'interruption des coups lorsque l'exécution d'attaque au corps à corps ordinaire successive. Ok. Je vais le prendre aussi. Ah, en plus ça donne la santé. Et donc du coup en quête ça me donne quoi? Il n'y en a plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une. Mais c'est parti. Il garde son arc vu qu'elle est enflammée. La flèche est enflammée. Dans les anciens jours, on enflammait sans faire exprès à chaque fois là. La fleur. Là-haut? Là-haut. Regardez! Voilà Eivor! Un de flèches en prépare assez pour chacun! 20 par homme! Château ne vous empêcheront pas de rentrer! Zombie à Gedrich! Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Oui, elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couane de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace. Pour toutes les situations. Et re-RP! Ça va toujours? Ah, je m'en doutais. Effectivement, c'était un objet. Il y a un script. Donc je ne pouvais pas le faire sans la quête. RP-BA-BAGamer soutient la Graou Family depuis 3 mois. N'envahis pas trop vite la Normandie. Je ne pense pas qu'on sorte de l'Angleterre, mais... Je prends bonne note. Mais merci pour ton abonnement, RP. Ça va. Merci. Donc à titre d'information, je suis en plein dans la quête principale. Je dis ça d'avance. J'ai fini l'exploration de la zone, donc typiquement là, il n'y a plus rien à ramasser. Bah oui, évidemment. On peut la faire bugger quand même, mais... Alors, trouver et affaiblir les défenses du château. Pourquoi je fais toujours le... Excusez-moi, je suis en train de lire ma quête. Alors, du coup, j'ai pas fait attention, j'ai pas sauté de baisser comme d'habitude. Voilà. Juste ce que j'attendais. Ouais, je reste pas, j'en suis désolé, mais je me doute bien. Pas de soucis. Ça a commencé quand d'ailleurs le jeu? Donc, pour l'instant, je tape des gradins. C'est exceptionnel. Comme un con, j'ai encore enfoncé la porte.
les vers vont tout dévorer. Vous contournez cette charogne. Je suis frère. Je ne veux pas t'enfuir, serpent. Je l'entends. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas fait la faute, donc c'est ramené. Bah. Là, ça va. Il y a une nouvelle mise à jour d'ailleurs hier. Ouais, hier, de 14 Go. Pour correction de bug. Aïe. Donc, Je me protège, c'est encore améliorer les choses. Je ne te laisserai pas t'enfuir. T'es prêt, ah bah oui. Tu les fasses dans l'ordre quand même. Voyons. Ah ouais, bah, du coup t'as du boulot hein. Alors je sais pas si en plus t'es du genre à faire la complétion des jeux à fond, entièrement. Et là si c'est le cas, vachement boulot. Faut que je m'y remette, bah oui. C'est fini pour toi. Ça y est, y'a plus de garde pour l'entrée. La discrétion c'est pas mon fort. Clairement pas. Ils ont joué un air imprenable. Putain, je me suis encore détecté. Pardon. Bon, en tout cas, bonne soirée à toi, RP. Des bisous. J'ai commencé par Odyssée car je suis fan de mythologie grecque. Et j'avais pas acheté les autres, ni même entendu parler d'eux. Quoi, t'es sérieux, c'est ce... Quoi, c'est le seul Assassin's Creed que tu as fait? Really? Attends, je veux juste la réponse à cette question-là. Merde. J'ai fait le premier HV. Il faut tous les faire. Mais il faut tous les faire. C'est honteux. Les autres un peu chez Nassim. Ah bah voilà. Et bah voilà. Pas le temps. J'allais pas dire pour ça. Du coup déjà spoilé de certains. En gros, en soi t'as pas trop de spoil. Ils ont pas des histoires de ouf avec une fin qui remue toute l'histoire que tu as vécu dans le jeu. Enfin, pas des jeux narratifs, histoire de fou, hein, clairement. De toute façon, tu perds pas grand chose, je t'avouerai quand même. Après deux, trois petites révélations ouais, sur la trilogie et la première trilogie, quoi. D'ailleurs, il y a un épisode qui s'appelle Révélation. Mais dans les derniers, tu joues plus pour gameplay que pour des révélations quelconques. Hein. En tout cas, c'est pas le genre de jeu que je joue pour leur histoire. Ah! Mais il était où? Comment tu trouves qu'il... Bah, par rapport à d'autres jeux, l'histoire est beaucoup plus prenante. Ça donne moins envie. Ah bah d'accord. Il y a mieux hein. Bon après. Les goûts et les couleurs. Mon jeu préféré c'est Mass Effect. D'ailleurs je vais bientôt le reprendre. Bon, même si tout le monde l'a fait. Ah bah non, j'ai jamais fait de God of War. Bah c'est pas trop mon truc. Ça joue un peu pour ce genre de licence. Un peu beaucoup même. De la gravité. Tu sens mon souffle sur ta nuque. Tu sens mon souffle sur ta nuque, qu'est-ce qu'il a dit? Pas là pour ça monsieur. Ah bah il y a un tombeau à la reverse. Il s'est fait acheter. Il met sa lance sur droite et je peux pas juste taper en dessous avec ma propre lance. Je
joue la femme car j'ai appris que le personnage existait et que c'était mieux à la femme. Le jeu a même été créé initialement pour le personnage féminin. Selon les liens. Parfait, j'y suis. Parfait, j'y suis, quoi. Genre que je suis rentré discrètement. Non. Ah, c'est ça, un herbalitrier. Bon, pour la tête, on est là. Et les joueurs se sont plaints toutes ces vies. Ouais, mais enfin, il y a beaucoup de jeux comme ça. Où... Bah, c'est comme. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je peux pas me tuer pour dire. Final Fantasy 13. Tu joues une femme? Ouais, c'est le 13. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça c'est mon avis. Ah bon, massacre. Ouais, c'est ça en cours, à la discrétion, j'ai abandonné. Allez, bonne soirée à toi. Ah, faut que j'étruise. Ah mais je crois qu'il y a, enfin, oui, il y a eu beaucoup de critiques le fait qu'on joue une femme. Alors je sais plus si c'est le FS13 ou c'est un autre, mais je crois que c'est le 13. C'est le 14, c'est multi, c'est ça. Non, non, je peux y rentrer. La pluche. Hop. Ah, pas le feu, 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 pas le feu. Personne. Je me souviens. Écartez-vous, on va y arriver. J'ai essayé de lancer ma flèche juste avant. Et donc, qu'est-ce qui gêne d'autre? Alors c'était pas voulu. Je pense que... Ah oui, c'est automatique quand je fais des couleurs. Encore? Oh. C'est-à-dire que j'ai une bonne vision sur celui-là? De gravité? Ah ouais. Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Okay. J'imagine qu'ils vont tous repop de toute façon. Comme d'habitude. Un cheval là. Je dis qu'il faut attendre. L'enjeu est trop élevé. Je suis Sigurd, Jarl de la Mercy de l'Est. Et je dis que nous allons combattre. Est-ce fait? Oui. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir?
Je suis venu ici pour voir Kedridge. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre ? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor. Mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions, dis-tu ? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie ? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor ? Les signes et les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. La pierre de sa... Si je peux charger les textures... Ok, bah du coup tout le monde hors pop j'imagine. Tirer les maillons pour abaisser le pont-levis. Et il était ouvert tout à l'heure. Abaissez le pont-levis ! Ah ouais, j'y vais. Est-ce que je peux avoir une vision ? Ah oui. C'est la force. Relever, parce que renverser c'était bizarre. Alors, comment on fait ? Et ensuite, rejoindre la cour inférieure. Let's go. Vaincre le boss. Edwin, tu ne t'en tireras pas cette fois. Stupide Valois. Allez, on s'en va déjà. Je vais t'envoyer à ton banquet du Valhalla. Ah non. Ça compte pas là. Déception. La dégâts du corps. Ah bon, la dégâts du corps, j'ai pas remarqué. Récompense d'un arbre pour chaque Danois tué. Je suis fort. Allez, faut pas bouffer. Un château de Sindel.
Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à lui de décider de ton sort. Tu as combattu avec Allan et honneur. En conséquence, je te confie à Gedrich. Il saura te traiter correctement. Je le ferai, si tu abjures ton amitié envers ce pot de pisse qu'est le roi Elfred. Très bien. Alors qu'on l'emmène! J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. J'ai toujours une corne sur moi pour pouvoir donner l'alerte si je les vois. Ils mourront peut-être pour moi. Ok. Rejoindre. Le dernier trésor de la zone. Je dois les rejoindre par où? Ok. Je n'ai visiblement pas le choix, donc par là. Des anciens, les Issou, les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier. Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais... mais les mots sont... sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens... leur signification. Et le frêne. Je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du Seidre noir. N'écoute pas. Non. C'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient. Le roi Elfred de Wessex. Il approche avec une grande troupe. A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés. On n'a pas la moindre chance. Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. Bon. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercy. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercy aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, Seigneur. Tu me choisis. De grâce.
pas de m'espace. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercy, et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wolfreach. Mon Thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami. Qui m'envoies-tu ? Ben moi. Jarl Sigurd. Je me propose. Merci, Basil. Roelfred. Un instant. Est-ce toi, Fulke ? Tu les accompagnes ? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudit troll! J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd. Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. Dieu, Basim, c'était quoi ça ? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Et bah pour le coup, c'est un retournement de situation. C'était pas voulu. Moins prévisible. C'est pas mal. Quête terminée, la pierre de Saga. Et la quête de la zone finie. Critique. En DP, bah, j'utilise pas, mais bon. Pour la compétence. Monte, bah, fini à 100%. Je suis arrivé à combien de points de. Faut que je monte à 260 avant de faire les boss. Ouais, bon, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Et bah, du coup, je vais rendre compte, hein. Que je fasse le tour, effectivement. Est-ce que tu peux me faire up quelque chose, toi ? Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? Je pense pas. Mais... C'est ce que tu souhaites ? Ah oui, non, j'ai vraiment pas ce qu'il faut. J'ai déjà tout up, ok. Donc, il me faut déjà la prochaine. Le prochain composant. Ok. Je dois dire que je suis fier de mon travail. Mais t'as rien fait. Je pars. Enfin, pour moi, en tout cas, porte-toi bien. Que tes combats soient bons, Eivor.
Ok. Prends ceci. Cela servira davantage ta cause entre tes mains. Encore ? Tu te démènes, on dirait. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Continue ainsi, et cette conquête sera débarrassée de ces monstres. Dois partir. Frappe incendiaire. Alors, va en paix. Je peux enflammer mon épée ? Frappe incendiaire, en fait. Ah bah, des deux côtés, en fait. Ah ! J'adore le système de sélection. Une catastrophe. Sans déconner. Bon, des fois la souris c'est mieux. Frappe incendiaire à distance. Ok. Ok. Fait que je me concentre pas trop sur ce que j'utilise. J'utilise la frappe toxique, la bruit et frappe que je. Pas si m'intéresserait. Fureur, je l'utilise de temps en temps. Et piquer. Je déteste ce système. Comment je fais pour aller sur toutes celles que je veux? Ça me saoule. Ouais. Ah, je peux récupérer quelque chose. Ouais.